offrande du voisin, les fléchettes bah ouais, de ta carabine. On ne teint pas les cheveux du chien avec la bouteille d'encre chine. Laisse ta mamie se reposer, son fauteuil n'est pas un vaisseau. Tu ne peux pas. Comment ça va, Alex? Très bien. Donc vous êtes venu avec la hotte bien remplie. Ah non, j'ai encore le camion qui est en train de manœuvrer dans le couloir, vous n'allez pas être déçus. Donc les chansons de Noël, mais pour les enfants? Ah, pour les enfants, oui, mais pour les grands aussi. Vous savez, maintenant, c'est comme Disney, c'est pour tout le monde, hein, c'est 7,77. Là, on écoutait Aldebert, c'est la réédition d'un album qui était très drôle de l'an passé. Ils l'ont réédité, là, c'est ce qu'on écoute. C'est très marrant, c'est un peu fait pas ci, fait pas ça. Vous savez, c'est dans cet esprit-là, c'est très très bien. Il y a plein de. Il y a Marcel Amont, vous avez Renan Husse. Vous avez également Le Forestier, c'est très très bien, j'aime beaucoup. Ouais. Aldebert, voilà, ça c'est fait. On commence par des trucs, je vais trouver des trucs un peu qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà, si vous voulez justement sortir des princesses ou. Déjà, il faut avoir des minuscules pour leur offrir ces cadeaux-là, ou enfin pour demander au Père Noël qu'il leur offre, si vous voyez ce que je veux dire. Ce que vous appelez les minuscules, ce sont les enfants. Des tout petits, voilà, ouais, c'est ça. Vous devinez après des majuscules, vous avez des. Hein, vous avez une minuscule, minuscule. Voilà. Alors, par exemple, les Whippers Circus à la récré, ça c'est très très bien. Regardez, c'est eux qui sont à côté, donc ils ont l'air tristes, hein, ils sont assez austères, comme vous le voyez. C'est un très joli livre avec des dessins de. J'ai un trou de mémoire, c'est Tommy Ungerer, j'allais dire Yuri, non, Tommy Ungerer, c'est très très bien. C'est des petites histoires rigolotes avec à nouveau, regardez, plein d'invités. Didier Lockwood, Olivia Ruiz, vous avez également Juliette, vous savez, la chanteuse, vous avez Frédéric Bell, vous vous souvenez cette comédienne très drôle, blonde. D'ailleurs, j'ai un petit extrait de Frédéric Bell qui reprend le petit prince Mali. Vous avez genre le petit prince samedi machin, matin, truc, exactement. Oh là là, samedi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit titi. Et ben, puisque c'est ainsi, nous reviendrons dimanche. Alors d'une, je suis pas à votre disposition, et deux, je vous l'ai dit hier. Ça, c'est vachement bien ça, Whipper Circus. Puis c'est vraiment les trois petits chats qui avaient perdu leur mitaine. J'ai vu ça là. Oui, exactement. Oui, il y a les licons, voilà. Toutes les chansons qu'on a chantées à nos minuscules, le matin, l'après-midi et le soir. C'est de très bon goût, de très bonne facture. On continue avec les Imbert Moreau. Alors, les Zim s'envoient en l'air. Voilà. Les Imbert Moreau, c'est la contraction. Zim, c'est la contraction de Imbert Moreau. Vous voyez, c'est la famille. Ça, c'est une vraie famille. Il y a François et Françoise, c'est le papa et la maman. Et derrière, c'est des vrais enfants, Jérémy et Corentin. Ils font tous de la musique, ils jouent. C'est hyper drôle, ils écrivent leurs chansons. C'est un vrai univers authentique et sympathique. Ils s'envoient pas en l'air, ils s'envolent. Ils s'envolent, j'ai dit, ils s'envoient en l'air. Et écoutez, alors, mon cadeau de Noël est arrivé peut-être un peu en avance. Noël, mais on va dire. Qu'est-ce que je raconte? Je suis possédé par le démon. Sors de ce corps, démon. Est-ce qu'on peut refaire la chronique là? Non, c'est en direct. Ouais. Bon, bah alors tant pis. Hein. J'embrasse mes amis alors, les Zim. On enchaîne, Alex. On salue les Zim et on passe à les autres. C'est n'importe quoi. Un petit extrait. Imaginez, eux aussi, ils ont des invités. Ils demandent à Pierre Richard de venir sur leur disque. Et Pierre Richard, il dit, mais avec plaisir. Ça donne ça, regardez. La meilleure école, c'est le petit pas chassé. Quand je touche le sol, je rebondis léger. Au restaurant, j'ai mis ma veste à l'envers. Je rattrape les verres d'une main d'expert. Quand il faut pas, je fais des bulles de savon. Mais pas de faux pas, je suis pas le grand blond. Ambiance dans la rue, je suis le roi de la distraction. J'ai perdu les clés qui étaient dans mon blouson. Pierre Richard, Frédéric Bell, enfin que du beau monde hein, pour attends, les enfants. Ça rigole pas. On continue, un petit bijou, Piano Forest. Voilà, regardez, c'est ici. Tadam. C'est un DVD. Alors là, ça c'est un coffret collector. Vous avez le DVD, également la BO. C'est un très 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 joli film d'animation de, alors il faut que je lise, de Masayuki Kojima. C'est un premier long métrage. C'est extrêmement joli. C'est un conte sur un piano magique qui est enfermé dans une forêt et qui produit des sons d'une pureté incroyable. C'est également une façon de revisiter l'apprentissage du piano classique parce que ils ont demandé à un grand pianiste russe de les aider à travailler sur l'animation. Ce qui fait que quand les enfants jouent du piano dans ce film d'animation, c'est absolument réaliste. C'est-à-dire que c'est vraiment les bonnes touches et il y a un travail somptueux. C'est très très beau. C'est un conte onirique. Évidemment, on pense à Misayake. Vous savez, Kiki la petite sorcière, tout ça, c'est un peu dans cette veine-là. Un petit extrait, vous allez voir. Avec grand plaisir. C'est sonate numéro 8 de Mozart. Thank you.
C'est une belle approche de la musique classique pour les enfants. Mais c'est incroyable. C'est, ouais. Mais c'est vraiment c'est de toute beauté. C'est très très bien. Il y a à la fois des œuvres originales et à la fois des œuvres classiques. Allez, je conclure, termine Alex. Avec cette très belle collection qui s'appelle Les Papas te racontent. Regardez, il y a un paquet de CD. Alors voilà, ils ont vendu 80 000 CD. C'est où c'est là. Ah, ça tombe. C'est pas grave. Les Papas te racontent. Imaginez, vous avez toujours voulu avoir un conteur à la maison, au bout du lit, qui raconte des histoires à vos minuscules. Et ben voilà, existe aussi en bleu. Ouais. Et ben, Les Papas te racontent, c'est ça. Vous avez un comédien qui s'appelle Pierre-Alain Garrigue, un musicien qui s'appelle Christophe Jacquelin. Ils ont fait ça et maintenant c'est sur internet. Vous avez papateraconte.com. C'est en un seul mot, papateraconte. On peut écouter un tout petit extrait, vous allez voir. Vous avez le chambellan Chang arriva en courant sur la pointe de ses chaussons de velours. Il s'inclina si bas devant l'empereur que sa natte noire toucha le sol. Merci beaucoup pour tout.